Et bonjour à tous, c'est Danae, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Path. Donc c'est un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui, là pour l'instant il n'y a que la version chinoise et tout. Pour ceux qui ont envie d'y jouer, il y a plusieurs youtubeurs comme Yekai et tout qui ont fait des tutoriels pour savoir comment l'installer et pouvoir y jouer et tout. Donc là il faut savoir que vu que j'ai commencé assez tard, malheureusement, donc j'ai pas pu rejoindre le serveur ici 1025. En fait, c'est le serveur que la plupart des Français rejoignent, dont certains youtubeurs et tout, justement. Malheureusement, ce petit serveur, il est plein. Parce que je m'y suis pris trop tard, j'ai commencé trop tard. Bah, là, tout de suite, là, quoi. Donc, tant pis, on va aller sur le 1024. Sur le 1024 aussi, il y a pas mal de Français. Il y a un Twitter aussi avec un Discord et tout. Donc, on va commencer l'aventure, on va découvrir. On verra peut-être que s'il y a de la place qui se libère sur le 25, je rôlerai peut-être dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de Français là-bas. Donc là, c'est la découverte. Premier pas sur le jeu et tout. Franchement, il est magnifique. On dirait vraiment un jeu console et tout. T'as un peu navigué et tout. Ah, vous voyez, il y a des Français. Voilà. Ok. Génial ça. Donc 1024 ou 1025. Mais le 25, il est plein. Ok. Donc là, quand vous cliquez ici un peu sur le profil et tout, vous allez sur votre personnage et tout. On va découvrir pas mal de choses ensemble. Donc ici les fruits là c'est pour pouvoir invoquer et tout. On peut acheter des tickets et tout, on peut invoquer. Ça c'est des trucs qui vont être débloqués au fur et à mesure. Hop, après on découvrira petit à petit les trucs là. Je sais pas encore à quoi sert la monnaie ici là, on verra et tout. Ok. Donc là c'est la quête principale. C'est celle-là en or avec le point d'exclamation rouge et tout, et vous aurez des quêtes secondaires et tout. Si vous voulez pas vous embêter à chercher les quêtes, surtout que là on peut pas vraiment le lire, vous cliquez juste dessus et ça vous emmène automatiquement là où vous devez aller et tout. Donc franchement, c'est génial, ils ont pensé à tout. J'ai hâte qu'il sort en français et tout. Après, on jouera quand même à la version japonaise. Hein. J'ai pas mis le son du jeu, je mettrai sûrement une musique de fond parce que en fait c'est les mêmes que l'anime, donc c'est copyright direct. Ok. Ouais, il y a la petite histoire et tout. Apparemment, c'est super. C'est ultra fidèle au manga, quoi. Bon, bah, si on se bat, je passe. Ok. Donc, j'avais paramétré des touches pour pouvoir jouer et tout. Ok, après j'avais mis ça pour changer, pour tourner la caméra normalement. Ok, perfect. Si j'appuie là, ok, c'est bien cette touche. J'avais mis des raccourcis de skill et tout sur ma souris et tout. Ah, c'était la toute première mission. C'est parti, notre premier pas sur le jeu quoi. Le truc vert que vous avez eu tout à droite là, en fait, c'est des parchemins qui servent à XP et tout. Il y a plusieurs niveaux et tout, ça c'est le premier niveau. Hop. Chopper, petit chargement. Ouh, niveau 2, c'est parti. Ah, ça fait trop plaisir de jouer à One Piece, j'adore la licence. Faut que je continue l'anime d'ailleurs, je suis au niveau de la Tea Party. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'épisodes à rattraper. Ici, il y a quoi? Hop. Ah, il va nous montrer comment il... Comme je disais, le parchemin, donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux là. Et c'est pour monter le niveau du personnage. Hop, niveau 2, donc j'imagine qu'on peut limite break après, enfin, augmenter son niveau. En donnant quelque chose, on verra. Blabla. Ok, il faut faire quoi maintenant? Ah, je voulais vous parler d'une autre chose aussi. Un truc qui est bien avec BlueStacks. Bon, vous le verrez peut-être pas quand je vais le faire là. C'est que quand vous appuyez sur CTRL MAJ L, en fait, ça traduit automatiquement le jeu et tout. Donc là, si je fais. Je pense pas que ça va apparaître sur la vidéo, mais. Si je fais ça. Attendez, il va marcher ou pas? Tatatac. Là, hop, j'ai mon blue stack. Contrôle mage L. Ah ouais, ok. Et là, ça traduit en fait tout ce qui est à l'écran. Nanana. Dialogue avec des. Et comprendre la situation. Navire marchand détourné. Ok. Dit qu'il faut que je dialogue, ok, comme ça peut-être, ouais,
C'est quoi? Bon, je découvre directement avec vous. Pourquoi il y a écrit 5? Il faut que je sois niveau 5 pour continuer, c'est ça? Alors, comment je peux faire pour XP? Il se passe quoi si je vais voir les petits bateaux ici? Ok. Ça se trouve, c'est d'autres joueurs hein, comme moi. Putain, c'est énorme, on peut naviguer et tout. On peut aller d'île en île, on trouve des trucs et tout. Je pense que pour ça. Ah, attendez, niveau 5. Est-ce que je peux pas l'augmenter Je sais pas, en donnant. Ça, c'est pour. Ok, ça, c'est pour changer les personnages que vous avez en profil. Et là, on pourra changer de bateau après. Ça, c'est. On pourra débloquer des cadres en gros. Quoi si j'appuie là? Rien du tout, ok. Non, ce sera pour sûrement rejoindre des groupes, j'imagine. Avoir des amis et tout. PVP, vivement la globale, le PVP c'est infernal. Ah, j'imagine qu'il y a des problèmes. J'imagine qu'il y a des problèmes en PVP parce que du coup, vu que c'est un serveur chinois, il doit avoir des décalages et tout. Peut lui parler lui. Ah, Moshi. Il se passe quoi? Je vois l'escargophone là. Ah, c'est quoi ça? Ah, mon perso. Est-ce que je peux en monter plus? Ok, là il est au niveau max maintenant. Est-ce que je peux faire un truc en plus pour l'augmenter? Il me faut sûrement des fragments après, j'imagine. Je sais qu'on peut avoir des fragments en invoquant, donc c'est peut-être comme ça qu'on peut débloquer. Ah, est-ce que c'est pas ça? Là, je vois des fragments. Ça doit être l'orgue de compétences. Ok. On découvre. Ça, on va aller voir, ok. Donc, pour l'instant, je ne fais pas l'augmenter plus. Je crois que j'appuie, rien du tout. Donc, comment on va pouvoir lancer un combat? Je pense qu'il faut que. Tant pas arena pour tout, c'est génial ça. Et si j'appuie sur un angle, j'imagine que. Ou alors faut que je retourne exactement au même endroit pour récupérer mon bateau. Putain, c'est. Le jeu il est magnifique. Hein. Bon. Enfin, si j'appuie sur ça, non. Ah, c'est quoi ça? Il y a mon insigne dessus. Rien du tout. Ok. Ok, ça c'est pour aller sur les persos. En bas à droite, ok. Monsieur bizarre avec une mallette là. Toi tu as un truc à me donner, non? Oh, un coffre. C'est quoi ça? Ouais, on trouve des trésors et tout. Ouais, d'aller une pièce, ok. Je pense pas que c'est énorme une pièce. Ah, c'est bien d'explorer, vous avez vu, il y a des coffres et tout un peu dispatchés un peu partout. Personne n'a l'air de donner de quête secondaire. Ah, on peut rentrer. Ah, il y a des petits lags quand même sur le serveur, ok. Bon, ça a ouvert aujourd'hui, ils vont améliorer ça petit à petit. Ok. Il n'y a rien en particulier ici. Pas un autre coffre pour moi là? Non. Non. Je pense que c'est ça qu'ils disent que c'est pas possible pour l'instant de jouer en PVP. Vous avez vu comment ça bug? Il y a des petits lags de temps en temps. Ouf! x20! Gratuit comme ça, vous avez vu? Là où vous récupérez 20, c'est ce qui nous permet d'invoquer ça. Là où vous en récupérez 20.
Bon, je pense que la suite se joue sur l'eau, les gars. Ok. Ok. Moi, c'était buggé. Génial. Ok, c'est parti. Donc là, on choisit notre personnage. Et on y va. Let's go. La baston. La bagarre. C'est parti. On va passer ça. Je n'ai pas perdu assez de temps. Ski. Donc moi, j'avais mis ça en premier, ok. T'as assez stylé en vrai. Ah ok, quand vous remplissez la jauge jaune en dessous là, de votre jauge de vie, ça peut lancer une attaque. Ah, c'est un peu une attaque en fait. Attends, ça change tous mes coups? Tac, tac, ok. Ah, le boss. Ah, il a un bouclier lui. Ça, c'est pourquoi l'attraper. Ok, le lancer. Ah, ça brise son bouclier en plus. Ouf. Franchement, c'est stylé le jeu. Ah, il en récupère encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens là, mon gars. Oh, les tours de manège gratuits. Franchement, c'est. Il est trop bien le jeu. Il est trop bien. La money. Yes. Ice. Putain. Je le veux. Je veux Ace. Donnez-le moi. J'ai débloqué un truc, quoi. Ah, tu gagnes des. Oh, ok. Ticket bleu, je sais pas c'est quoi. Peut-être. Je vois. Il y a des invoques amis ou pas dans ça? Ok, on va là. Ah, on peut débloquer des trucs. Alors, du coup, ça utilise de l'argent et des ressources, les sortes de steaks bleus là, bizarre. Ok. Donc, ouais, ok, il faut appuyer ici à chaque fois là. Combattre. C'est parti. Qui est ma prochaine victime? L'agro? Pardon. Sorti tout seul. C'est parti! Il y en aura pour tout le monde, les gars, vous battez pas. Hop là! Tiens, tu fais un tour de manège, mon gars? Ouais. Ah, c'est ça qu'on a débloqué? C'était un combo. Je vais pas utiliser direct comme ça, non, faut d'abord que je tape. Pourquoi il se débloque pas? Il y a un truc. Oh, il y a de la viande direct. Ah, c'est pour donner des vies, ok. Voir le boss. Ok. D'accord. Il y a déjà une zone où il faut battre des. On va casser son bouclier. Ok. Oh, ça l'a même pas pété son bouclier. Gatling. Gun. Oh, ça lui a arraché de la vie. Oh. C'est bien qu'on puisse voir les zones et tout comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Retire ton bouclier, toi. Tu veux quoi? J'aimerais ça. Il faut déjà retirer le bouclier. Oula. Ok, ça fait mal. Ah, elle se fatigue quand elle fait ça. Ça compte, c'est pas. Ouf, une super attaque. Ah non. Ça va pas monter mes dégâts. Ah si, le dernier coup l'a touché. Fini en beauté. Pa pa pa, c'est trop stylé! Ah, je veux Ace ou je veux Ener. Ener, il doit être trop stylé. Oh. Vivement qu'on fasse les multi aussi. Ou Ace. Oh là là, si j'ai Ace. Oh, c'est fini. Bon, après, l'histoire, on la connaît. L'histoire, on la connaît. Ok, niveau 4. Ouais, génial. Je vais pas jouer avec lui, mon gars. Ouh. Coucou toi. Oh, je me demande si on peut le combattre plus tard. Je vais pas y aller tout de suite parce que j'ai pas envie de me faire buter pour rien. Est-ce qu'on peut aller dans ça pour... Est-ce qu'il continue à naviguer quand on va dans ça? Oh yes, ça c'est les tickets pour invocation. Les invocations, ça c'est bien. Les premiums. Non, il continue pas, dommage. J'ai un truc là aussi. Montre un truc. Ah si, ça a débloqué.
Et quoi? Ouais, non, c'est mort. Ouais, c'est pour changer de personnage, non. Jamais! Au grand jamais! C'est parti. Fais la course, les gars. Ok. Oh, on va avoir 0. Ça va être trop stylé. Give me my. Mais de la marine, ok. Pourquoi il y a deux Luffy? Ah, mais c'est peut-être les autres joueurs. Je crois qu'on voit les autres joueurs en temps réel. C'est pour ça. Ok. Bardak, bon, ok. Fan de DBZ. Moshi Moshi. Je sais pas ce que c'est ça, Pinto. Peut-être ça dit quand les joueurs ils tirent des héros puissants, à mon avis. C'est peut-être ça, il y a souvent ça dans les jeux et tout, gacha. C'est peut-être pour ça. Oh. Salut les gars. Salut le gars. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Oh non. Oh, j'ai même pas envie de le mettre. Ouais, c'est, tu peux la, en fait, je crois que tu peux l'appeler pour t'aider pendant le combat et tout. Et ça utilise une de ses techniques et tout. Let's go. Vas-y, ça va faire quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pourri. Non! Putain, il est chiant. Il se met entre moi et l'autre le plus intéressant. J'ai mis un coup de pied aux fesses. Je pense que. Ah si, c'est moi, je vais utiliser. Et oui, mon gars, le boss. Oh, vous avez remarqué que j'essaie pas non plus d'augmenter trop Luffy et tout. Parce que je pense pas que c'est dans les meilleurs personnages. Je garde un peu mes ressources là pour quand je vais tirer des personnages. Enfin, si j'ai vraiment tiré des biens, ça se trouve, j'ai rien tiré de bien aussi. Niveau 5, 5. Bon, ça monte assez vite pour l'instant. Je prendrai les récompenses et tout un peu après. Ah, vous avez vu, dans la boîte aux lettres, il y avait un message. Je pense qu'il y a des récompenses de niveau aussi, non? Pas ça, non, pas du tout. Je sais pas ce que ça représente, mais. Et je crois que j'ai effacé le message de toute façon. Ok. Ah, y a un mec, il a un NR. On les regroupe. Le coup du balai. Oh, il s'est même pas visé en plus. C'est pour ça qu'il y a des lunettes, le Pax. Ouais, ça tape les autres. Bien, c'est que je pensais. Reculer, les gars. Ah, ça fait quoi? Ah, c'est quand tu remplis ça que tu peux utiliser ça, j'imagine? Attends, même pas parce que je peux l'utiliser là, apparemment. Il y a un truc qui se passe lorsque la jauge est à fond. Ah, ça doit être là que ça donne mon bonus là de dégâts là. Alors, ensuite, il faut aller où là-bas? Ouais, là-bas. Alors, j'y comprends rien, mais c'est pas grave. Venez, rassemblez-vous, les gars. Hop là, le coup du balai. Pense qu'il faut taper lui direct aussi. Les petits combos. Quand je fais ces techniques, ils peuvent pas me taper en plus. On l'enchaîne avant qu'il récupère son bouclier. Et c'est un strike! Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Recule, monsieur. Hop! Hop là, manège. Faut que je reparte? Non. Faut que j'avance. Ah, oh, ça c'est signe de Zoro. Ah, on a récupéré ses katanas, ok, pour lui donner. Il y a Gueule d'Acier qui est là. Lui casser la bouche. Yes, en fait j'ai même pas besoin de l'augmenter, il XP tout seul en faisant les quêtes. Donc on va garder les ressources.
Hop. Allez, on va aller casser la bouche à l'autre là. Viens te battre. Salut Zoro. Bouge pas mon gars. Je te libère en 2 secondes. Comme ça, je vais pouvoir virer les nerfs là et avoir un vrai duo. Les stylés, même attacher les stylés. Pas que je le tape. Ah non. Je vais le taper. Non, je peux pas. L'autre, il fait la sieste pendant que je travaille, quoi. Bravo. Bien joué, Zoro. Boum! Quel bouclier, mon gars! T'as cru quoi? Oh, ils attaquent Zoro? Ah ouais? Ah, faut que je le protège. Ok, faut le dire tout de suite, ça. Boum. Attends, il y a mon argent, il y a mes pièces à terre. Les pièces d'abord. Ouais, je... Attends. Oh, mais Zoro, il fait tout le taf en fait. Oh, les en... Laisse-moi un peu là le taper aussi. Moi aussi, je veux le taper. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est moi qui aurai le last hit, mon gars. Oh, toujours à se faire la compétition, les deux. Head kick, pied-bouche. Ah ouais, non. Ok, donne-moi. Yes, donne-le-moi. I want him. I want it. Give it to me. Give it to me. Bon, ça monte assez facilement les niveaux. Niveau 7. Yes. Alors, attends, vas-y, je vais le virer direct. Hop. Merci. Ouais, ok. Vas-y, ces euros, ils méritent en vrai. Oh, un livre, c'est 6 niveaux. Ouais. Ah, il faut récupérer ça, ok. Ouais, ça montre le niveau en quel, sur lequel vous pouvez récupérer tout. Vous avez juste à cliquer là après. Ok, et ça use 20 d'énergie pour le faire. Et ce sera pour augmenter les compétences. Mais non, je veux pas lui. Attends, pourquoi il faut prendre lui? Ah, ils ont peut-être un combo qui fait que ça fonctionne mieux, ou ils font plus de dégâts, ou ils donnent des bonus si on les joue ensemble, peut-être. Peut-être pour ça. Oh là 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 là. C'est trop bien. Oh là là, je kiffe. Rien que les épées dans les mains et tout. Wow, c'est stylé. Il est gars. Qu'est-ce que tu fais? Vise le bon côté, toi. Ah, il faut... Ouais, y en a plein qui lancent des projectiles. Ah, ok, il y a des bestioles bizarres. Je crois que on peut rester appuyé, non? Ouais, plus on reste appuyé longtemps, plus ça fait mal. Oh là là, il est stylé. Ça doit être pour lock une cible, j'imagine. Bon, les tirs, ils sont facilement esquivables, par contre. Ah, je peux même tourner. Pendant que j'appuie. Ok. Interesting, mon petit Zoro. Il est stylé. C'est qu'il y a 2 coups ultimes qu'on peut libérer après là. J'imagine que c'est comme ça en augmentant les compétences, enfin l'arbre, qu'on augmente ça. Hop là. Ok. Tac. Ah, du coup, j'en ai eu 5. Et il m'en fallait juste 2 pour celui-là. Pour les autres, il faudra sûrement pareil. Il y a un truc là aussi, ouais, 3 ici. Et c'est ça, les pièces utiles, on les utilise pour ça déjà. Là, je vais me recommencer, refaire le niveau. En gros, je crois que vous pouvez rester appuyé dessus, normalement. Et ça augmente où vous pouvez le farmer, voilà. Bon, par contre, on va faire un truc. Ah, j'ai pas envie d'utiliser Luffy ici, ok. Ok. Il y a des niveaux comme ça avec des personnages interdits, peut-être parce qu'il y a une restriction au niveau des couleurs. Chaque personnage a des couleurs, je crois que lui c'est. Ça doit être ça, ça doit être vert. En plus, comme j'ai débloqué la technique, vous voyez, il est ici. Oh, vous savez pas viser ou quoi? Ah ouais. Ils sont rapides, hein?
Mais je suis plus rapide. Ils vont sûrement tirer là. Ok. Ça va, c'est rapide à faire. Rassemblement des items de plus haut niveau avec des boss plus difficiles à faire après. Ça donne de l'XP en plus, c'est bien. Ok, ouais, 5. Je sais pas si c'est 5 à chaque fois pour l'instant. On l'a fait deux fois, c'était 5. Ok, en plus ça donne de l'XP, ça c'est bien. Ah ouais, vous avez vu, on peut les débloquer plus tard. Ça représente quoi, 2000? Peut-être mon niveau de puissance, parce que c'est que les personnages ils ont des niveaux de puissance après. Voilà, et ça, normalement, je peux maintenant faire ça. Ok. Bon, je vais pas augmenter plus, parce que ça se trouve, il est pas super fort, Zoro. Je connais pas encore les tier list. Et le niveau de puissance, du coup, on le voit ici, voilà. Vous avez vu, l'autre niveau, c'était 2000. Là, j'ai 1600 de puissance. Ah, là, on a les quêtes secondaires en plus. Ah, c'est réglé. Ah, c'est fait. Quoi, ça les a validés tout de suite? Est-ce que les quêtes secondaires, elles sont déjà disponibles de base? Peut-être. Bon, tant pis, on va faire ça. Ah, il y a les cartes, là, c'est quoi? Ah, j'ai débloqué des trucs. Ok. Ou ça me dit juste que je peux remonter. Ouais, c'est pour dire que je peux remonter, quoi. C'est qu'on peut donner des cartes au perso pour les booster. Ça va être les succès, j'imagine. Ouais, vous faites des succès, vous remportez des trucs. Il y aura des tickets, je pense. Oh, par contre, je sais pas quoi servent les trucs. C'est qu'il y a des pièces de puzzle. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous invoquez, on verra après lorsqu'on fera l'invocation, mais lorsque vous invoquez, vous avez soit des personnages ou soit vous avez les. Soit des personnages, soit des pièces de puzzle. Et à partir du moment où vous avez même une pièce de puzzle, en fait, vous pourrez demander au personnel, aux personnes de votre guilde de vous envoyer des pièces chaque jour. Ah, aucun ticket, ça c'est bien. Et au bout d'un moment, en fait, vous aurez le personnage automatiquement, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir les puzzles. Ok, on va continuer. Ok. Baggy. Baggy le clown. Ok. Bon, laissez-moi monter descendre là, je crois. Ah ouais, ok, il faut que je m'avance. Non. Hop, let's go. Smoker, vous l'aurez. Dès la première multi, il est donné pour l'instant. Smoker, c'est un personnage S. Et apparemment, il est bien quand même. Et il est donné à tout le monde. Soit parce que c'est le début du jeu. Du coup, il y a le petit cadeau de début. Il y a deux équipes maintenant. Ok. D'accord, tu prends un personnage, plus tu peux mettre un. En fait, j'ai donc je vais jouer les deux là, ça veut dire. Et ils sont des persos en soutien. Ok, toi tu meurs. Oh là, commence pas à bugger s'il te plaît, je suis en plein de game. Oh si ça me fait ça avant de prendre des boss, je vais prendre cher. Là c'est quoi, c'est pour monter mes dégâts en plus j'imagine. De la petite boisson. Hop là. Ça fait vraiment, la dernière coup il fait vraiment une grande zone. Ouf, je prends des dégâts là. Déjà tuer les mecs de loin. Je pense qu'il y a des techniques. Genre certaines attaques qu'on fait, et si on les fait, ça. On prend pas de. Genre on est invincible pendant la technique là. Il faut que je découvre c'est lesquelles. Pour pouvoir utiliser au bon moment et tout. Hop, on le chope avant qu'il lance sa technique. Eux aussi, hop. Putain, je pensais qu'ils étaient pris dans mon attaque, mais non. Ok, easy. Naomi, ma petite Nami. Hop là. Ah, attends, j'avais pas remarqué un truc, mais genre ça me donne des trucs pour invoquer à chaque fois là. Genre là j'en ai eu genre 30. Ça c'est quoi? Ouais, je peux monter Luffy.
Ouais, on va monter juste un petit peu, mais on va pas forcer non plus. Je vais pas beaucoup le jouer, je pense. J'attends juste de faire mes invoques. Vas-y. Zoro, il est stylé. On va mettre Zoro. Vous connaissez, les gars. Ok. Il y a quoi d'autre? Ah, c'est tous les. Ah, sur le stage, il y a un nombre d'étoiles là par rapport à la mission et tout, j'imagine. Et ça nous permet de débloquer des trucs. Ok. Il y a les. Ça, c'était quoi encore? Ah, ok. Donc, si je veux aller sur ces niveaux, en fait, faut cliquer ici là pour faire les niveaux, pour récupérer les trucs. Ouf. Ah, il y a plein d'autres trucs en fait. Plein de stages, il y aura sûrement les boss et les trucs comme ça. Resting, et là c'est sûrement les donjons pour récupérer les trucs. Ouais, il y a le donjon de Zoro ici. Ah non, pas que Zoro en fait, il y a les trois couleurs là. Ok, c'est bon à savoir. Name me, me regarde pas comme ça, hein. Ça va mal finir sinon. Il faut trouver un truc dans la maison. J'imagine que c'est tout ce qui brille là. Ah, voilà, tous les trucs qui brillent. Luffy, il est content. C'est sûrement de la bouffe. Ok. Ah, faut se battre contre un ami. Non, c'est pas ça, si. Ah non, c'est sûrement Baggy le clown et tout qui vont attaquer. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, comme dans l'histoire. Ouais. Ah non, c'est pas vraiment. Ouais, on est elle. C'est quand elle va libérer, ouais. C'est génial, là. Ah! Ah, c'est énorme. Ça fait une image rémanente qui les attire. Ah, c'est génial. C'est stylé. Alors, en vrai, est-ce que j'utilise maintenant mon ulti ou est-ce qu'il va avoir un boss? Vas-y, attends. KO. Ça, c'est le bait qui les attire. Putain, c'est. J'avoue, c'est chaud. T'as l'air sympa comme gameplay. Oh non, laissez-moi tester un peu plus là. Ne rassemblez-vous, les gars. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, parce que eux, ils me cassent les bonbons. Ouf, oh non, c'est trop stylé. Oh, oh là 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 là. Ah, je kiffe Zoro. Allez, c'est bon. Je joue avec toi, mon gars. Il a trop la classe, ce perso. Il est trop stylé. Allez, je le kiffe. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. Je suis obligé. Ah, bah, même comme ça, on peut récupérer des trucs pour monter ce personnage. Donc, on n'est pas non plus obligé de farmer les donjons tout le temps. Mais en gros, c'est si on veut aller plus vite, quoi. Attends, il y a une loupe là. Ouais, il y a des choix à faire. Oh, bah, je sais pas. Ah, voilà les 4 qu'on peut équiper au personnage. Ok. Bam. Ouais, je l'ai récupéré. C'est pas toi que je vais équiper ça. Laisse-moi mettre ça sur. Ok, vas-y. J'ai pas le choix, j'ai compris. On peut mettre des cartes à la carte. Ok. Ah, c'est pour monter niveau. Ah, parce que niveau 20, ok. C'est bon. Je vais faire ce que je veux maintenant. Hop là, vas-y, toi tu vas récupérer la carte. On peut pas, si? Oui. Ok, voilà. C'est ça que je vous. Je cherche pas, mon gars. Hop, mission secondaire ici, plus 10. Faut que je regarde après où on peut invoquer et tout. Des cartes, ok. Donc tout ça c'est des raccourcis après. Alors je regarde juste un truc. Ah, comme ça, oui, quand vous téléchargez tout le truc, ça vous pouvez en récupérer 100 comme ça. Là aussi pareil, je pourrais, dès que ça aura fini de télécharger ça, je pourrais récupérer encore 100 ici. C'est gratuit, on prend. Pour les invocations, ça doit, ah bah ça doit être sur ça, mais j'ai pas dû encore le débloquer, c'est pour ça, ça doit être un des trucs là.
Ok, on continue en attendant. Pam, 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 pam. Pam, pam. Voilà, c'est déjà ce que je veux. Ouais, Zoro, il a besoin de personne, mon gars. Il a besoin de personne, la même, et... Yes, c'est parti. Ça doit esquiver des techniques, ça. Give me my pièce là. Chaque pièce compte. Il va attaquer lui, non? Ouf. Là, je connais pas encore le pattern des ennemis, même s'il est pas trop dur à esquiver. Ça nique. Il a détruit son bouclier direct. C'est là, ouais, c'est là. Bon, les gars. Par contre, c'est. Je crois pas qu'il y ait une grande zone quand tu fais ça. Ah, c'est là-bas, ok. Une heure. Hop là. Ah, ok. Oh, tu veux quoi, toi? Ah, c'est pour monter ma... Ok. Quand on le charge, c'est plus puissant, donc on va le charger. Ça stoppe le temps et tout. Franchement, c'est trop stylé, les gars. C'est trop stylé. Oh, j'ai pu cancel juste en tapant. Ok. T'attaques pas assez vite. Easy. D'accord, avec les coups normaux, on peut cancel quand même. Ok. Ouais, vous avez vu, ça me donne 30 à chaque fois, là. Ok. C'est easy. Œil de faucon. Oh, je veux trop jouer avec. Vivement qu'il sorte. Oh, il doit être tellement stylé. Moi, je kiffe les persos avec des épées et tout. Vivement qu'il sorte. Œil de faucon. Oh, ça va être n'importe quoi. C'est quoi ça? Ouais, ok. Ah, ok. En faisant les quêtes, on débloque des trucs. Deux niveaux? Allez. Tête attaque et après, on débloque des trucs. On peut voir. Pas quoi à quoi ça sert tout ça. En tout cas là il y a des tickets et tout, ok. On va récupérer ça en attendant. Et ça je peux le faire. Il faut que je sais pas à quoi ça sert. Et le niveau d'affection. Il te donne des récompenses apparemment au bout d'un moment, ok. Pourquoi écrit 1? Un truc en pomme. Ah oui, ici, là. Vas-y, on va le monter. J'aime bien Zoro, donc je vais le monter pour l'instant. Ok. Et ça, je peux le faire aussi. C'est quoi? Il faut que je refasse. Ou alors, faut que je fasse les autres niveaux. Parce que. Ah, c'est ça s'est débloqué. Vas-y, on va le faire vite fait. Ah non, je peux pas le faire. Il faut quoi? Il faut la couleur. Eux ils sont tous les deux verts et lui il est rouge. J'ai vu, je crois qu'il faut du jaune pour faire ça en fait. Ok. Par contre, si je fais ça, je peux utiliser mon petit Luffy San. Let's go, Tado! Ils sont trop faciles à esquiver pour l'instant. Toi tu tires pas, hop, ils vont apparaître après les autres, ok. Ils sont là-bas. Rassemblez-vous un petit peu les gars. Les mantes elles sautent, ok. Ok. Bim. Putain, j'ai pas pu esquiver. Alors ça arrivait sur moi pile poil à la fin de mon coup quoi. Ok, ça sert ici.
Donc c'est s'il y a des niveaux qui sont accessibles qu'à certaines couleurs, c'est-à-dire qu'il va falloir collectionner des personnages de toutes les couleurs dans tous les cas quoi. Voire même devoir en monter parce que sauf il y aura des sages qui seront limités à une certaine couleur. Faudra voir. Donc ça c'est fait. Je récupère ma récompense ou pas. Non, ça c'est parce que j'ai buté le lion. Ok. Un truc qui brille pour moi encore. Ah, c'était pas ça la mission? Ah si, là. Comme j'ai fait des trucs, ok. Oh, ça donne trop d'XP en vrai, ça. Putain, c'est worse. Hop là. Oh là là. Oh, grâce à ça, je monte trop vite. Alors, faites ça si vous pouvez. Oh, en plus, je peux les faire et tout. Faites ça montre. En plus, il y a un lien. Ouais, ça, je pense que c'était le mode histoire, l'histoire principale. Vous avez vu, là, il y a écrit 60 sur 50. Il y a un truc à faire, là, pour... débloquer pour finir une mission. Hop là. Ah, il a dit attention à côté de mon type, peut-être parce que je vais me battre à contre-type et tout, donc c'est pas le mieux. Ok. Pourquoi le deuxième perso, je sais pas si on peut switch direct dessus, ou est-ce qu'il faut que le premier perso soit mort et l'autre il apparaît dans ces cas-là. Non, la réponse était juste là. Combo, balai, coup de poing, putain, mais pourquoi il part dans l'autre sens? Pas l'air trop difficile. Attends, et du coup, testons un peu pour voir ça. Et là. 44, ouais. Ok, j'ai plus cancel. Bon, je lui mets quand même cher en vrai. Ça dépend aussi du niveau du perso, puisque mon il est plus fort, il est plus élevé que mon Luffy. On le prend dans le coin là, comme ça on l'empêche de bouger. Oh mais ça je l'ai. Vas-y tu m'as chauffé mon gars. Toi tu as goûté à mes épées. Même si ça te fait rien. Voilà plus 30, ok. Ça monte, ça monte. Et ça qui est bon. Ouf. SS. On a débloqué des trucs là. Peut-être les invocations d'ailleurs. Oh, ouais, oui, on peut débloquer Sanji SS en fait en faisant l'émission là. En plus, ça donne des tickets et tout. Et des fruits pour invoquer et tout. Oh, ça, c'est bien ça. Bon, il faudra que je regarde un peu plus. Ah, c'est un des paliers. Ah, oh, 10 tickets. On peut faire une multi à chaque fois là. 3 multi là déjà en faisant ça là. Et ça c'est quoi? C'est... Ok, ça c'est quoi? Attends. Ah, c'est un bonus de connexion tous les jours. Hop, déjà un ticket aussi là. Faut que je regarde j'ai combien de tickets elle est stylée la carte. Ah, c'est en 2 semaines, ok. Alors c'est peut-être juste un truc du début parce que ça vient de commencer. Attention, hop. Voyons voir un truc. Est-ce que je peux... Non, il n'y a pas encore les multis, je crois pas. Hein. Les invocations. Ça, c'est quoi? Quoi, il y a encore écrit 10. Bon, je vais pas le faire plusieurs fois. Hein. Bon, là, faut faire plusieurs fois. Là, je vois que ça a monté, c'est peut-être parce que je l'ai fait. On va tester. Là, je suis à 60. On va voir si je le refais une fois là. Et je suis encore dans le niveau que je peux pas faire. Génial. Je vais prendre. Bon, autant faire pour augmenter mon petit Zoro. La cible est lui. Ok. Voilà, j'en ai pas touché beaucoup là. Qu'est-ce que vous faites les gars?
Ce truc qui est dommage dans ce jeu, c'est que je crois pas qu'il y ait de mode auto. Parce que quand il va falloir farmer certaines ressources et tout dans certains donjons, ça va être chiant si on doit. Par exemple, si je veux en farmer, je sais pas, allez, je dis un truc comme ça, 50, ça va être chiant si on doit faire tous les trucs un par un. Comme ça aurait été bien un petit mode auto. Même si, genre, contre les boss, c'est pas possible de mettre en auto et tout, mais au moins. Au moins, contre les petits boss comme ça. Donc, on va voir. J'étais à 60. 80. Ah putain, il y a vraiment un truc comme ça. Ah, oh, vous savez quoi, je vais faire vite fait. Vous, je vous le mettrai pas, au pire, je le couperai cette partie. Pourquoi ça coûte 20 de stamina à chaque fois? Après, vu qu'on a début du jeu, je vais en récupérer énormément rapidement à chaque fois. Il y aura sûrement des quêtes qui vont m'en redonner et tout pour que je puisse jouer. C'est toujours comme ça au début du jeu. Putain, hasard, en l'esquivant, je suis tombé contre l'autre. Ceux qui attaquent de loin déjà, les plus chiants. Ok. Vu que ça doit donner 20 à chaque fois. Ah, je pense que j'ai compris la mission. Ça doit être genre utiliser 20 de stamina. Enfin, 150 de stamina en tout dans les événements comme ça où on récupère les pierres. Donc là, normalement, je suis à 100. Il faut que j'en fasse encore 2. En vrai, ça va aller assez vite. À chaque fois, j'oublie que j'ai mis les raccourcis pour mes boutons. Oh là, mais si j'appuie là aussi. Là, il doit me rester un dernier à faire. C'est bien pour remonter les personnages. J'ai jamais essayé de revoir le perso rouge après. On va faire ça aussi. Et que trois trucs. Bon, après, il y aura sûrement des persos spéciaux. Ça c'est cool par contre pour le diriger comme ça. Ok les gars, donc là j'ai fini la mission en fait, j'ai compris en fait fallait utiliser juste 150 de stamina dans les niveaux là pour récupérer les pierres rouges, jaunes ou vertes là pour monter les personnages, les compétences en fait. C'était ça la mission. Puis voilà, donc j'ai réussi en gros toutes ces missions là. Les missions du début, là il y en a aussi, ok. Quand ça, c'est vrai que ça donne pas mal d'XP en vrai. Ah ça c'est d'autres coffres, ok. Je sais pas quoi ça sert ça quoi. Je peux pas encore aller dans les niveaux là, il faut monter. Là c'est en or, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, ça.
On découvrira tout ça. Ouais. Ça dit qu'on peut pas encore y accéder. Ok. Là, il faut qu'on continue en fait. Putain, y a un mec qui a les nerfs, quoi. Là aussi, j'ai réussi une mission. Ok. Là, je suis à 2 et à 5, j'aurai une multi en plus. Ok, perfect. Ah. Invocation, j'imagine. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire. Alors, aussi, on en récupère. Génial. 50, ok. Putain, ça va. Bon, comme d'habitude, au début des jeux, comme ça, c'est toujours. Il y a toujours plein de trucs à récupérer et tout. Et après, ça va s'estomper petit à petit, quoi. C'est quoi? Ah, c'est en ayant les. Ah, qu'on a des personnages. Ah, qu'on a des personnages en gagnant en plus des trucs. Oh, c'est. C'est génial. Putain. Donc, ça vaut le coup de débloquer les personnages, hein, rien que pour ça. Ah, j'ai Naimi. Nami. Putain, j'étais où? J'étais dans ça là. C'est un album de personnages ou de. D'un peu tout, je crois. On va récupérer tout ça. Hein. Papa, paf, il y en a d'autres. Ouais, il y a le tenu là. Voilà. Ah, ça dépend du niveau. Donc, les C c'est 20. Les A c'est 60. Les S ça doit être du 100, je pense. On peut pas regarder. Non. Et SS, j'imagine même pas quoi. Ok, ça c'est quoi? C'est qu'on pourrait être dans l'histoire peut-être? Ah non, c'est les bateaux qu'on débloque les bateaux. D'accord. Oh, 50 là. Ouf. Et plus on en monte dans ça, je crois que j'ai vu un truc en bas là. Non. J'avais vu une sorte de petit coffre en bas à droite là. Peut-être en cliquant sur ça, non? Il y avait un petit coffre ici là. Ah, attends. Ah, ça monte. Ok, dès qu'on a les personnages, c'est stylé, ça les débloque comme ça. Donc pour l'instant, il y a ça comme personnage. Et en CS, il n'y en a que 4 SS. Oh là 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 là, ils sont stylés. Oh! Ils sont stylés. Ok, on va reprendre. Tranquillou. Qu'est-ce que tu veux, le vieux? Laisse-moi prendre la mer là. Ah, la boutique. Oh, 10, une multi. Ah, bah, je crois que c'est bon, on peut faire l'invocation. Je suis obligé. Ah, on est obligé d'y passer les. Bon, bah, les gars, on est arrivé sur la partie vidéo, invocation et tout, sur le nouveau jeu One Piece. C'est quoi, Warrior Path? En gros, le chemin du guerrier. Donc là c'est parti, je sais qu'on pourra faire deux multis là, parce qu'on a 17, mais avec en gros les fruits là, on peut en racheter en gros. Ça coûte je crois 200 pour 1. Ah, c'est un truc comme ça. Je crois que c'est 200 pour 1. Ok, donc on va partir sur deux multis, c'est parti. Donc qui on veut? Évidemment les SS. Ces trois là, ils sont SS déjà. Et après il y a Sanji, mais Sanji il est gratuit. Et je sais pas s'il est dans le portail d'ailleurs. Bon bah on est parti. Je sais qu'il faut dessiner. Oh, je vais dessiner quoi? On va essayer de dessiner Barbe Blanche. Hein. Ouais, le signe. Oh là là. On va faire comme on peut. Ah, c'est chaud. Ouah, les gars, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. Bon, on a essayé de faire ça. Oh! Ah oui, non, je suis bête. En fait, vous aurez forcément Smoker direct. Et apparemment, ça va, il est quand même bon. Mais bon, vu que tout le monde là, c'est moins intéressant quoi. Mais bon, il sera toujours plus fort que les persos qu'on a actuellement. Un S. Oh! Oh, sérieux? Tiré comme ça, on a un fragment. Ouais, bon, lui, c'est un A. Ok. Oh! Que des S et des A pour l'instant, c'est abusé. Il savait comment lui, c'est pas un truc genre Neko ou je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle. T'es au tout début. Un autre ou pas? Non. Là, c'est dans l'ordre. Non, non, c'est pas dans l'ordre du tout. Oh, comment je t'ai pas envie de jouer, toi, Mister Two. Ok. Ça a pas l'air fameux pour l'instant. Mais bon. Ça, c'est bien parce que du coup, je pourrais récupérer, demander tous les jours
à mon clan, en gros, mon équipage. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu, mais c'est ta guilde, en gros. Des fragments, et à un moment, je l'aurai, quoi. Donc là, c'est normal, ça va prendre automatiquement les trois là avec les fruits que j'ai. Ouais, si je fais ça. Qu'est-ce qu'on essaye? Sinon, je mets juste Ace. On va partir sur ça, les gars. Mettre Ace. Ah ouais, quand vous faites ça, faut pas relâcher la touche surtout. Parce que si vous relâchez, ça marche pas. J'aurais juste écrit Ace, je sais pas. On va voir. Est-ce que ça nous portait chance? Les filles, il est content. Bah, ça c'est nul. Alors, on a un fragment pour 0. Ah, ça en donne 10. Je crois que c'est au hasard les fragments, le nombre. Ouf. Je crois qu'on peut l'augmenter à mort là. Ah, il y a d'autres animations? Ou alors c'est pas le même Zoro? Bizarre ça. Non, si, c'est le même. Donne-nous un truc bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Un autre truc? Non? Allez. C'est un A. Arlong, ouais, bon. Je sais pas si je vais jouer Arlong, quoi. Après, faut voir sa couleur et tout, peut-être. Bon, ben. Voilà. On a commencé avec ça, donc on va devoir jouer avec Smoker. Smoker, il est puissant. Et ça doit être les invocations à 1000, là, les tickets bleus. Parce que je sais que. Tout à l'heure, on a récupéré, non? Ouais, on en a récupéré. Je peux pas encore en faire. Et ça, ce sera un autre truc, un autre portail, ok. Qu'on débloquera plus tard. Ça, je crois que c'est des trucs, ouais, qu'on peut acheter. Bon, je sais pas comment ça. Ah, attendez, je crois qu'il y a un truc gratuit là, non? Ouais. Vu qu'il n'y avait pas de prix, c'est que c'était gratuit. Là aussi, pareil, ouais, ok. Ça, venez récupérer ça, les gars. C'est gratuit, on prend. Et là, c'est pas gratuit. Mais c'est juste des promos, en gros, pour les tickets, pour les acheter moins cher et tout. Ok. Comme d'hab. Début, il doit y avoir des trucs. Ça doit être un pack pour avoir elle. Ah, ça, c'est le pass de combat, je crois. Ouais, il y a un pass de combat. Version gratuite et il y aura la version payante là. Et à la fin, tu récupères ce perso. Je crois que tu peux le récupérer gratuitement dans tous les cas. Je suis pas sûr, mais. Je crois qu'on peut le récupérer gratuitement dans tous les cas en faisant le pass. Ok. Quoi, c'est les soldes? Alors là. Et ça fait monter dans. On peut tout prendre d'un coup. Je pense qu'il y a un bouton pour tout prendre d'un coup. Ok. Là, il y a encore des cadeaux. C'est bien, au début, il y a des cadeaux dans tous les sens. Oh, non? Ça. Ok. Oh, ça débloque plein de trucs. Hop, encore un ticket gratuit, ami. Il y a ça parce qu'on a débloqué de nouveaux personnages. Ah, oh, il va me donner combien d'ailleurs? 80 pour un S, ok. Ça doit être 100 pour le SS du coup. Tiens, est-ce que ça rembourse un petit peu? Enfin, un minimum, mais oh là là. Avec tous les persos que j'ai eu en plus. Oh, c'est parti. C'est vrai que c'est quand même intéressant de débloquer les persos. Ah, en plus, là aussi, ça débloque. Il y a la barre qui monte et ça débloque des trucs encore. Oh là là. On va se refaire une santé. Hein. Écoute, hop. Ben là, il y a le coffre là que je parlais tout à l'heure. Ah, mais ah, en gros, quand on appuie sur le coffre, on peut récupérer tous les trucs qui sont débloqués. C'est plus rapide. Ok. Ok. Bon, bah, ça c'est quoi? Petite mission secondaire ici. Une invocation? Ouais, oh, bah, attends. Ah, toutes les 1 heure, on peut en faire une gratuite ou pas? Parce que je vois qu'il y a un décompte là. Donc, je sais pas, c'est peut-être ça. Après, évidemment, sur le truc ami, il n'y a pas des trucs de malade. Ça. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, là c'est quoi ça? Mais pas, faut y donner. Tu peux y donner des persos pour, je sais pas, le monter, peut-être. Ok, non, c'est là pour le monter. Hop, ici, ouais, justement, on va t'en monter direct. Il est rouge. Ah, je suis content d'avoir juste un petit peu pour.
On va aller mettre au max. Je suis content d'avoir fait le niveau de Luffy tout à l'heure. Est-ce que je peux... On va lui donner ça. Ok. Ça se trouve, les personnages, chaque personnage a de la bouffe qui lui donne plus de trucs, peut-être, je ne sais pas. Donc, tu regardes... Les 3.4, c'est des objets de soutien comme ça. Ah, je sais pas quoi le faire. Et ça, je crois que c'est les compétences. Pour monter tes compétences. Ok. Et t'as. Ouais, bah, on va prendre ça direct. Ouais. Heureusement que j'avais farmé tout à l'heure avec Luffy. Oh, je suis content d'avoir farmé. Oh, ça coûte 9 juste pour 1. Ça doit être énorme ça. Ça doit être les coûts normaux peut-être. Il faudra que je retourne farmer après. Mais je vais pas le faire pendant la vidéo. Ok. Oh, il y a même ça qui est débloquable. Et ça c'est... Ouais, 5 on va prendre. Niveau 1. Niveau 2 du coup. Ah, ça demande 10%, c'est écrit 10%. Ouais. Les dégâts sûrement des skills. Ok. C'est quoi le 1 là? Je vais pas monter un truc de 1. Ouais, celui-là. Vas-y, on va le prendre. Je demande Smoker parce que je sais qu'il est assez bon. Et en plus, c'est notre perso le plus puissant. Pour l'instant, on va jouer clairement avec lui. Demande un ami, c'est ça? Mais non. Je vais prendre que les Français en ami. Ouais, c'est loin là. Allez, rame plus vite, mon gars. Ah, c'est l'île du Zop, ça. Ok. C'est parti. C'est qu'on a le mairie à la fin de cet arc là quand on fait l'île et tout. Il y en a qui ont ace et tout, c'est la chance. Ah, je vous le dis, par contre, moi je vais pas reroll. Enfin, je vous dis, je vais pas reroll, mais si, comme je vous ai dit, dans le serveur 1025 il y a de la place, j'irai dans le serveur 1025. C'est quand même plus intéressant. Ça me dérangera pas de recommencer un peu et tout. Franchement, ça se fait assez vite. Il y aura juste un truc qui est chiant, c'est pour les récompenses quotidiennes et tout, hein, parce que du coup, je vais prendre du retard. On va essayer après pour voir si ça marche pas. Quand je sais pas comment déconnecter sa session sans éteindre le jeu, quoi. Ça, c'est chiant. F-Gang. Ouais, en gros, il y a une guilde F. C'est quoi? Tac, 1000. Ah, ça met automatiquement les persos les plus puissants. Ok. Ok, intéressant, intéressant. Bon, il y a un levier là, on peut l'activer. Ah ouais. Si j'active, ça fait quoi? Il y a du temps. Ça leur fait des dégâts? Je sais pas. Ouais. Je crois que ça a mis ça. Oh, c'est énorme. Non, ça l'active plus. Bon, vas-y, on va y aller. Normalement. Ok, ça c'est un saut pour arriver direct sur l'ennemi. C'est une attaque de zone, ok. Ouais, il tape fort. Il tape fort. Ouf, oh, le saut il est énorme. Est-ce qu'il y a un truc qui charge? Non, ça n'a pas l'air de charger. Je crois qu'on peut appuyer sur le saut pour faire plusieurs choses. Oh, ça les stun! Oh, c'est énorme! Pas mal, les filles. Donc, j'appuie une fois. Ah oui, il y a un deuxième coup, ok. Et ça. Oh, c'est stylé! Ouais, ça fait une zone autour de moi. Ouais. Il est puissant. Bon, les binoclars, on y va.
faudra que je demande Zoro aussi. Par contre, je vais pas trop gaspiller les pièces et tout parce que je sais pas si ça va être dur à avoir cette ressource. Alors lui, il va nous en donner 10 là. Donc, encore deux missions là et j'ai 10 au camp. Et on repart pour l'invocation. Je crois que la carte est niveau 2 directement. Il y a quoi maintenant? Parce que j'ai 2000, c'est ça, non? Tac, ok, il y a des persos. Et tu peux gagner des trucs par rapport à ces persos, j'imagine, ok. Par exemple. Il y a écrit 30, on va faire le niveau. Ouais, que du vert. Ah bah non, on dirait qu'il y avait d'autres choses hein, que du vert. Bon, tant pis. On va se battre, mon gars. Œil de faucon. Trop tard, les gars. Pas assez rapide. Moi, Zoro aussi, top 4 en vrai. Oula, ah ils ont cancel, ouais, parce qu'ils m'ont tapé avant que je balance ma technique. Qu'est-ce que tu fais avec ton canon, toi? Il est où le prochain? Il y a deux hommes canons. Poum, poum, poum. Et... Ah, ça cible automatiquement une... Ouais, mais genre, je vais pas bouger moi quand je fais ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es trop chiant. Oh, c'est un niveau qui est un peu plus long. Il y a plein de vagues d'ennemis. Ok. Je sais pas ce qu'on gagne à la fin. Non, par contre, toi, t'abuses, mon gars. Quand on utilise la technique là, quand t'as tellement plus fort et plus vite, ou en tout cas plus vite. Ok, on a gagné ça. La fameuse ressource, là, je sais pas quoi à quoi elle sert. Et une carte bleue. Soit-elle au-dessus du vert. On va voir. Ah, je vais pas le refaire une deuxième fois par contre. La même chose. Ok. C'était pour tester. Ah, on peut gagner. Ah, ce que serait pas les donjons d'équipement et les cristaux, ça doit être les ressources pour monter ces équipements, ok. Ok. Hop là. C'est quoi cette mission? Ça c'est quoi? Ok, c'est le truc qu'on a vu. Mais ça. Ah, c'est la multi-ami, mais je peux pas faire pour l'instant. Il est mort, adieu. Adios, usop. Faudra que je regarde un peu sur lui parce que de voir comme sur la première île des coffres un peu dispersés et tout. C'est vrai que l'exploration c'est bien aussi. Donc tout ce qui est rouge ça bat le vert ça bat le jaune et le jaune ça bat le rouge. C'est un peu le principe de. Vous savez, tout ce qui est genre le feu, l'eau et tout. Et la plante. Comme dans Pokémon Store. Et ça stun, c'est bien. Un style de combat à la barbare, mon gars. Ah, ça cancel pas. Je pensais pouvoir le cancel. Oh, ça a brisé son bouclier direct. Là-bas? Ouais. Hop. Pourquoi il ne faut pas être collé quand on fait la première technique, du coup? Ah, le technique numéro 1, ça les aspire et ça les fait tomber, quoi. Interesting, interesting, interesting. Faut que je repasse remettre mes touches et tout pour changer 2-3 trucs. Ah, oh, le moonwalk. Non, non, c'est pas du tout pensé sur Michael Jackson. Petite combo là. Attends, t'enchaînes au plus vite. Laisse-moi le défoncer là. On va protéger ton pote, mon gars. Ah, oh, l'autre il a plus vie, il est pas mort. Ah, c'était pas le dernier boss. Faut que je batte Neko quoi, direct. Ah non, faut juste finir la vague d'ennemis en fait. Ok. Hello toi. Coucou. 1, 2, 3. Viva l'Algérie.
Petite pièce jaune. Je crois pas que j'ai. Il faudra que je regarde j'ai qui comme perso jaune. Ça peut être intéressant de monter des persos jaunes et tout. Ah, il y a sa carte. Bon, je connais pas les bonus des cartes. Ça doit être des genres bonus HP, attaque, défense et tout par rapport à la carte. Ah, c'est pour rejoindre une guilde. Est-ce qu'elle veut rejoindre maintenant? Tu me diras, je peux les quitter. Ah, c'est quoi les meilleurs? Il y a un max? Je sais pas. Pas rejoindre, je vais chercher s'il y a une guilde FR plutôt. Ça, c'est quoi ça? Non, c'est le pass. Donc, on fait pas la même erreur, c'est qu'on peut récupérer tout de suite. J'ai dû débloquer un perso, ça doit être Usopp. Quand j'ai fini la quête. Et là, ah, il y a une autre. Pardon. Hop. Allez, Tiki Ami. Génial. Ça, je vais pouvoir faire l'invocation bientôt. Il faut absolument rejoindre une guilde. Vas-y. Il y a des quêtes à faire et tout. Neko! Come in, bro. Alors, ce qui est puissant. Ta 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 ta. Bon, y aller direct, hein. Ouf. Quand c'est des attaques, c'est chaud. Ah, mais laisse-moi attaquer aussi un petit peu, non? Oh, il est rapide. Oh, puis je connais pas son pattern. Là, il va foncer, c'est ça? Non. Ok. Ah ouais, c'était porté à la Goku, quoi. Tiens, Luffy, vas-y. Oh! Luffy, il permet de le faire tomber, ça c'est bon à savoir. Hop, on le repousse, hop, là on l'enchaîne, on lui met des bons dégâts. Il a retrouvé son bouclier. Ouais, ok, ça. Pff, comment tu esquives ça, mon gars? Luffy, non, j'ai raté. Attends, il fait que bouger aussi. Là, faut que j'esquive, ok. Boum! Boum! Alors là, t'es dead. Allez, au trou. En prison, direct. Sans passer par case départ. Yes. Nouvelle carte, je sais pas si tu donnes la même carte. Ouh, c'est quoi ça? Alors, ah, mais dis pas c'est le PVP parce que là, je pense que ou alors c'est des boss. Parce que si je joue en PVP, vu comment le serveur il bug, c'est même pas la peine. En tout cas, c'est l'arène. Est-ce que je peux bouger? Non, oh, ouais, moi quand il atterre, je le tabasse. Hein. Là, tu fais quoi? Est-ce que je peux le sortir? J'imagine que non. Ça aurait été trop facile. Ah, j'ai une autre technique avec Luffy là. Est-ce que parce que je suis en arène, ça débloque tout? Ah, ça va expliquer pour le PVP un peu, j'imagine, comment on joue et tout. Écrit 1 sur 2. Donc, j'ai fait un truc qu'il fallait faire. Ah, ok. Je sais pas ce que j'ai fait, peut-être le tabasser. Ce que je sais faire le mieux. Mais ça a marché en tout cas. Ça donne quoi? Oh, ça donne aussi des trucs pour invoquer, allez. Pour l'instant, il y a beaucoup de moyens de d'invoquer dans le jeu. Afin de gagner. Ah, c'est des histoires. Il faut battre les ennemis, j'imagine. Ouais, il va faire une attaque, ok. And. Faut que je l'esquive. Oh, laisse-moi bouger avant. Il a même pas dit bonjour. Ah, c'est pour invoquer Zoro pour m'aider en gros. Ok.
te grab direct, moi. Allez, ça prend pas, on enchaîne, combo, hop. Hop. Je vais pas le taper quand il est au sol, hasard. Ah ouais, il touche de loin aussi. On... Ah putain, il m'a eu avant Zoro, avant qu'il me tape, voilà. On avait compris la technique. Ouf, toi. Oh. Ah, je peux pas faire, c'est une des deux techniques ultimes. Ça c'est fort parce que Luffy il peut. Hop, avant qui. Là, je. Ah putain, j'ai pas grave parce que. Bon, vu que son attaque c'est tout droit, c'est facile à esquiver par contre. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est Zoro qui a terminé Zoro, voilà. Zoroception. Vous connaissez. 50? Ouais, 50. C'est stylé. Quoi, tu es obligé de jouer avec Luffy? Point 1 qui est tout à gauche, ça va être le vrai PVP peut-être. Donc c'est quand même... Ouais, pour esquiver. Ah mais je peux pas bouger là. Je pourrais dire quoi, ça cancel. Il va le refaire, c'est ça? Bon bah attends. Si tu veux pas attaquer mon gars, moi je vais pas te laisser le temps. Pas besoin d'esquiver, j'ai juste besoin d'aller sur le côté. Il a 3 secondes d'immortalité, ok. Et charge ma barre de spéciale. Ouais, là j'aurais pas dû rester à côté parce qu'il est immortel pendant un petit moment. D'ailleurs moi aussi j'aurais pu le taper là en gros. Putain, à chaque fois je fais la première au lieu de... Est-ce que je peux faire un petit combo? Ah. Ah, il faudrait que je teste, est-ce que je peux faire combo de l'attraper pendant qu'il retombe. On tourne autour. Et là, hop là. Et dead. Ou pas. Bah là, si. Ah, pourquoi il meurt pas? Faut que j'esquive? Ah, faut que j'esquive son attaque deux fois. C'est ça? Comme ça? Bah là, c'est bon. Ok. D'accord, c'est des tutoriels en même temps, quoi. Du coup, si j'avais esquivé deux fois direct, ça aurait été fini. En fait, il n'y a pas besoin de combattre. Et ça doit être le vrai combat, par contre, je pense. Parce qu'il n'y a rien à gagner en dessous. En vrai, ça va, il n'y a pas énormément de stages non plus. Donc, ça va. Donc, Joy Chopper, je sais que c'est le seul perso qui peut soigner pour l'instant. Il me l'a donné. Ah, mais putain, pourquoi je déteste au début de pas pouvoir esquiver. Ça fait une zone de soin. Il faudrait que je chope Chopper, quoi. Lui, il est super intéressant. Je sais pas comment on peut le choper. Avant qu'il touche le sol, notre petit combo. En plus, ça lui a explosé son bouclier. Ce qui est bien avec Luffy, il fait pas énormément de dégâts comparé aux autres persos, genre Zoro et tout. Il fait moins de dégâts, mais par contre, il tape de super loin. Hop, tac, on enchaîne avec ça. Tac, tac, tac. Hop là, le petit combo il fonctionne bien là. Ouais, genre, je vais taper quoi. Au bout d'un moment, prends tes dégâts, non? J'aimerais bien essayer ouais, la première technique. Je vais voir si je peux le choper en l'air. Tac, 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 tac. Là, il m'a en l'air. Non, je peux pas. Ah, si. Ah, oh, le combo. Si on peut. Avant qu'il devienne immortel, là. Genre, il tombe et il y a genre une seconde avec pour qu'il devienne immortel. Donc, en attendant, il y a le petit combo. Ah, ouais, c'est, il faut être dans la zone de soins, par contre. Bon, vas-y, on va faire un mec. On va finir avec ça. Et là, c'est fini, normalement. Ok. Il y a des combos pas mal à faire et tout. Ouais, oh, certains persos, ils doivent avoir des combos inarrêtables et tout. Trop cheaté, quoi. Gear Second. Oh là là, le jour, ils vont mettre le Gear 4 et tout, le Snake Man et tout. Ah, il faut que ce soit à fond, la barre. Et ensuite, ouais, tu débloques ça, ok. Ouais, les ultis, ça. Non, mais laisse-moi esquiver, par contre. J'aime pas prendre le coup à chaque fois, là.
Ouais, sa barre elle est au max, ok. C'est quoi, c'est en mode éveil quoi en gros. Bah, genre ça va pas toucher quoi. Ah, il me donne direct. Oh les. Ça c'est quoi celle-là? Ouais, c'est une grande zone. Ouais, en plus il y a un petit ralenti quand tu le tapes là, quand tu fais l'ultime. Du coup, ça permet de bien placer des combos et tout. Et moyen de faire super mal en vrai. Ça c'est sympa, ouais, en gros c'était l'ultime quoi, comment utiliser l'ulti. T'as d'attaque, ok. And. C'est quoi quand. Quand il fait ça, il va faire quoi? Là on tape. C'est une position de défense, ok. Mais. Ah, c'est pour dire qu'on peut briser la garde sur certains persos, ok. Bon, facile celui-là. Simple. Juste à faire ça deux fois, j'imagine. Hop. Vas-y, relève-toi, reprends ta pose, mon gars. Et voilà, Phoenix. Fait bolosser. Ok. C'est des pierres gratuites, hein. Franchement, on dit pas non. Tout ça, c'est gratuit, oh, ça se prend. Tranquille. Tranquille. The last one. J'ai oublié comment il s'appelle lui, l'homme guépard, là. Le mec ultra rapide. On joue avec Ace. Oh, c'est bon là. Ouais, une dernière attaque. Je peux bouger ou c'est comment? Il fait un peu trop bolossé là. Ça me va pas. On va le tabasser un petit peu là. D'abord, on le tabasse et après, on comprend ce qu'il faut faire. Ouh, c'est vrai qu'il y a un deuxième combo avec. C'est-à-dire que quand vous faites ça, après, normalement, on peut utiliser le truc. Voilà ça. Et ça fait des trucs invisibles là qui explosent. Des putains de combos que tu dois pouvoir faire avec lui. Hop, on fonce et on fait une zone, c'est ça? Oh, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé. Et on enchaîne le combo et on finit avec ça. Oh là là. Ah, mais ils veulent qu'on nous force à utiliser le combo. Ok. Ensuite là, wow, on est obligé de suivre les étapes des combos. Et c'est exactement ce que je viens de faire comme combo en plus. Sauf que je le fais trop vite. Ok. On finira la vidéo sur une dernière multi justement. Et ça, c'est un vrai match. Mais je pense que je vais me faire éclater parce que ça doit bugger à fond. C'est un vrai match? Si, c'est un vrai match. Coucou toi, tu joues pas? Donne-moi un win gratuit alors. Moi ça me va. Je pense que c'est un vrai personne, une vraie personne en plus. Ouais, il a exactement les trucs en miroir comme moi là. Ah, mon premier match, c'est un match gratuit du coup. Pourquoi tu prends rien hein? Soit il est beaucoup plus haut niveau que moi. Ah, je vois un truc avec Luffy, c'est quoi ça? Ah, c'est pour foncer. Je pense que ces techniques, faut mieux faire contre un mur et tout. Comme ça, en fait, ils volent pas trop loin et tu peux enchaîner les combos. Bah, pourquoi ça monte pas vite hein? Genre là, comme ça. Comme ça, il reste bloqué et là, tu restes. Ouais, pas trop. Attends, quoi, il a repris des vies? Ah non, c'est juste l'entraînement, ok. Ok, bon les gars, c'était juste un entraînement. Tu peux t'entraîner contre les bots, quoi. J'y ai cru. J'ai cru que j'allais avoir mon premier match gratuit, mais ça aurait été trop beau. Et là, est-ce que ça débloque le gros coffre là, qui est là, là? Il a l'air bien celui-là. Ah, c'est un montant de rang en faisant du PVP. Ouf. Oh, à la fin, tu gagnes des trucs, mon gars. On y est très loin. Ok. Qu'est-ce que j'ai débloqué là en faisant ça? Ici. Hop. Bam! Un ticket, ok.
peux faire ma multi d'amis là. Encore un ticket. Il y a plein de tickets secondaires et tout. Non, ça je vais pas le faire tout de suite. Et ça c'est quoi? Ok. Donc. Là c'est PVP, ok. Hop, et la quête prend. Pas la quête principale ça? Non. On va voir le mairie ou pas? Yes. Normalement là je le débloque. The mairie in the pocket. Et du coup, ouais, on débloque ça, un peu génial. Je crois qu'on l'avait déjà en plus donc. Voilà, 10 fragments. Et le mairie, il est là mon gars. Paf, on va aller le mettre direct. Enfin un vrai bateau là. Moi c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi mais je clique. Ok. Ok, ah il y a un petit système de bouffe et tout. Seulement pour monter ses stats ou un truc comme ça, je sais pas. Lui par contre pour combattre dans les zones et tout, il fait mal. Vous avez vu, ça fait des dégâts au fil du temps, ça. Ouais, il est énorme. Boum. Bam, on aspire tout le monde, hop, ça met ça autour et ça tape tout le monde petit à petit. Le gaz. Ah, et s'il reste longtemps dedans, bah il est stun du coup. Ok. Ok. Intéressant. In the zone. Bam, 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 bam. Ok. Cet homme est vraiment fort. Pour faire ces combos, faut que je trouve quel combo pour bien réussir. Des fragments Luffy, ok. J'imagine qu'on débloquera d'autres stages après. Ah ben, direct. On va pas les enchaîner tout de suite. Déjà, donne-moi mon bateau. Voilà. Hop là. Enfin un vrai bateau. Et ça. Ah le cadre du bateau, ok. Et du coup dans ma collection j'ai débloqué aussi des trucs. Hop. C'était tout. Le petit coffre. Hein. Hop. Pour avoir débloqué le mairie. Et voili voilou. Pourquoi t'es écrit niveau 16? Je crois que c'est ça, hein, c'est 16 qui est écrit, 16 minimum, et donc je suis obligé de faire des missions. Écrit TikTok là. Je crois que si tu fais un truc. En gros, c'est quoi si je partage sur TikTok? Ah, je crois que c'est si je les suis. Ça peut-être? Je sais pas comment le suivre. Ah, là, c'est bon. Et là, ils vont me donner un. Ah, c'est bon. Ah ouais. Et là, ok, il me donne plus ça. Ok. Un ticket gratuit, on prend mon gars. Direct. Laissez-moi les gars. J'ai dit non. Wow, il y a plein de trucs qui se débloquent encore. C'est quoi? Ça doit être un événement et tout. Ouais, il construit ça, ok. Là, je vois des coffres. J'ai dû faire un truc qui permet de. Ouh, des tickets encore gratuits, allez. Va bientôt pouvoir invoquer. Hein. Oh, c'est quoi ça au camp? Ouais, autoriser si tu veux. C'est quoi ça? Genre, je me suis enregistré en tout cas. Et un now. À bout de la monnaie, et ça ce sera plus tard. J'imagine qu'il faut le faire tous les jours pendant un certain nombre de jours. Oh là là, ils ont les trucs partout. Ah, ça c'est les trucs en gros qui restent pas longtemps. Mais pour l'instant, j'ai pas de compte. Et là, il y a Luffy, ok. C'est quoi?
Ah, c'est un calendrier. Être connecté, genre 30 jours, j'imagine. 28 jours. Ok. Quoi, Ivry ou quoi, j'ai déjà fait. Non, par contre, il y a le chapeau en dessous qui brille. Là, il y a un truc à prendre, non? Encore des tickets, en tout cas. Ouh. Oh, yes, les gars. On a la multi. 10 tickets, une multi. Ok. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Ça, c'est une carte, j'imagine, un skill. C'est son skill. Là, pourquoi ça brille? Juste pour dire qu'il y a des promos, quoi. Nouvelle promo, j'imagine. Et là. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Débloquer plein de trucs. Ah, ça c'est ce qu'on est grâce à TikTok. Et ouais, ça change au-dessus de notre tête le truc, ok. Pourquoi ça s'abrite quoi? Il y a encore un truc que je peux prendre, c'est ça? Ah, si, ici, ouais. Plus 2. Non. Peut-être faut faire deux combats ou un truc comme ça. Ils être par jour, c'est pour faire augmenter son bateau. Ok. Bon, les gars, vous avez vu, on peut faire une multi. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Hein. Vous voulez que je retrouve l'endroit? C'est pas sur ça. Pas du tout, ça c'est pour la guilde. Ah, j'ai reçu un message en plus. C'est quoi mon cadeau? Ouais, génial. Bon, c'est le début de la richesse. Hein. C'est ça là, il y a 300. Je sais pas ce que ça représente les. Vous avez vu, il y a la même chose, les fruits du démon en or là, bizarre. C'est pas vrai que c'est premium. Et l'autre peut-être des gratuits, je sais pas. Jeune, c'est point. Ça c'est les ors spéciaux, c'est ça, je pense, pour invoquer. Ouais, voilà. Toujours pas le 10 ici. Bon bah on est reparti les gars. Je regarde un truc. J'avais dit combien? Ah, je peux même faire deux multis. Parce que c'est 200 pour un, là, donc il fera 1000 pour les 5 derniers. Bon bah c'est reparti pour. Ah, attendez, il faut que je réfléchisse à. C'est que je vais dessiner. J'ai déjà fait barbe blanche et tout. Ener, qu'est-ce que je préfère pour Ener? J'aimerais bien jouer Ener. Peut-être son tambour. Avec le sort de Sharingan, la bizarre. Bon, on va retenter, on a encore deux multis, c'est parti! On va essayer de faire son tambour. On va faire un truc rond, comme ça. Et après, il y a des sortes de Sharingan. Après, le deuxième. Putain, j'aurai jamais le temps si je vais aussi lentement. Laissez-moi plus de temps, s'il vous plaît. On a essayé de faire son Sharingan, enfin son tambour. Il a plein de tambours comme ça autour de lui. C'est jamais. Oh, un verre, ok. Nul, quoi. Bon, ça donne des trucs gratuits. Ah, je crois qu'on a atteint un palier de quelque chose là. Oh là là, même pas un S. Moyenne nouvelle. Une nouvelle, ok. Crocodile, on pourrait faire quoi? Soit son crochet, peut-être. Crochet de crocodile. On va tenter. Bon, il sera pas super bien fait, mais. On fait comme on peut. Hop, après il y a sa main alors. Je sais pas, on va voir. J'ai fait une single? Oh, ah non, c'est une multi. Je me disais bien. Allez, 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 allez. Ah, SS, allez, s'il vous plaît. Oh, c'est dur de les avoir.
Génial, toi, c'est sûr, je vais pas te jouer. Oh putain, il n'y a même pas un S. Même pas des fragments. Oh! Yes. Je sais pas s'il est fort ou pas. On a eu un perso du portail. Bon, on a eu un S. Un perso du portail, génial. Ça aurait pu être un SS là. Je suis dégueu. Putain, il m'a tellement fait croire. Je sais pas si l'animation est tellement différente par rapport à un S. Ok, allez, un autre, un autre, un autre. Allez, allez! Bon, j'ai lui. C'est pas ce qu'il vaut. Après, il a peut-être une couleur dont j'ai besoin. Là, j'ai pas de perso jaune puissant. On va voir. Ah, voilà, on a fait nos 4 multi. J'ai pas eu spécialement de la chance. Je pense pas. Ouais, non, j'ai eu qu'une seule S. En 4 multi, je pense pas que j'ai eu de la chance quand même. Sinon, ce serait abusé. Je sais pas s'il est fort. Après, il est pas gratuit, donc je vais le tester, franchement. On va voir les quelles couleurs. Bon, on va récupérer aussi ça. Merde. Ça, c'est pour tout récupérer? Ouais. Putain, ma puissance, elle a monté direct. Donc. Ah, il est jaune. Ah, il me fallait un jaune. Bon, bah, ça va en vrai. Il me fallait un perso jaune. Ça donne beaucoup, ça. Hein. On va mettre au max direct. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, quand même, j'ai eu 10 de lui. Je l'avais pas, mais vu que j'ai eu 10 fragments de lui, là. Vu que c'est un B, il faut pas beaucoup de fragments. Du coup, je peux le débloquer. Savoir que c'est pareil pour les S. Attendez, il y a un... Bah, voilà. Elle, pour la choper, Nico, là. Là, j'ai un fragment à 20. Je pourrais l'avoir, vous avez vu? Attends, ça me dit, je peux en récupérer un quelque part? Ah, je peux acheter. Oh, je peux en acheter un, là. Il faut 300, mais comment on a celui-là? Putain, je me demande si ça, c'est pas une boutique qui change souvent en plus. Genre, ça va mettre d'autres persos et tout. Ouais, ça, c'est la boutique. Vous avez eu 200 ou 10, 2000. Je sais pas si ça sert à quoi celui-là. Ni les autres items, ok. Il y a des promos. Ah, on peut le débloquer. Et ça doit donner au hasard, à mon avis, pour 400. Oh, il y a même des SS. Ouf, on va économiser pour ça, là, les SS, là, au hasard. Hein. Elle, les coquillages, je sais pas comment on les a. Pour Naomi. Ça, c'est quoi? C'est des points amis? Oh, avec des points amis, franchement, faites pas ça, les gars. Vaut mieux attendre deux fois plus, là, pour voir ça. Hein. Là, en direct. Pourquoi ça? Je sais pas, c'est quoi? Peut-être l'autre portail, après celui-là, là, il y a un portail qui est bloqué pour l'instant. Ça va être pour ça, à mon avis. Ah, là, il y a les trucs. Donc, ça, on peut acheter du matos avec les pierres, là. Ok. Ça, je sais pas ce qu'il y a. Enfin là, pareil, j'imagine pour... Ah non, ça n'a pas changé de page. Est-ce que je rejoins une guilde comme ça au hasard? The One. Ah, Escanor, ça doit être... C'est peut-être français ou alors... Pilar. Ashira. Ouais, ah merde, il y avait écrit FR en gros. Kebab FC, ça c'est sûr, c'est en français. C'est sûr. Kebab FC comme ça là. Ok. Il y a un limit break des persos.
Bon les gars, avant de se quitter là, je vais vous montrer deux trois trucs que j'ai trouvé là. Donc quand vous mettez plusieurs fois des mêmes cartes de même famille, en fait ça donne des bonus en plus. Là par exemple sur Usopp là. Hop. Donc là vous voyez. Non, c'est pas ici. Attendez, tac. On va sur la carte là. Voilà, j'ai mes trois cartes de la même famille, donc ça donne un bonus supplémentaire en fait. De dégâts et tout, enfin des bonus quoi. Il y a aussi autre chose là, c'est que quand vous avez plein de fragments sur les personnages, en fait, vous avez ici on va dire, quand vous avez plusieurs fragments du personnage, vous avez ici, en gros, c'est comme pour le limit break, en gros, pour monter encore ses dégâts et tout. Il faut utiliser les fragments que vous avez en plus. Je vais voir si j'ai pas un personnage qui est là. Faut pouvoir le faire là, vite fait devant vous, non? Allez, lui, il doit en avoir plein là, c'est sûr. Alors, vous voyez, ça coûte un fragment pour monter un truc et ça donne des bonus et tout. Et dès que vous avez fait un tour complet. Hop, il va avoir une étoile qui se débloque supplémentaire. Hop, voilà, j'ai l'étoile ici. Là, pareil, maintenant ça a coûté 3 pour remonter, pour faire le tour. Et ça va quand même augmenter en gros, ça augmente ses dégâts et sa puissance et tout. Donc, il y a plusieurs façons d'augmenter la puissance du personnage. Donc, comme ça, avec l'arbre de compétences aussi. Et il y aura sûrement d'autres façons là, mais on va trouver avec les cartes qu'on met sur le personnage. Il y a plein de façons de booster son personnage. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, j'ai des personnages de chaque couleur. Vous avez vu là? Des bons personnages là de S et 1A là. Lui, j'aime bien Zoro. Il est vraiment pas mal. De chaque couleur. Donc, j'ai bien un personnage vert, rouge et jaune. Donc là, je vais pouvoir faire la plupart des events et tout. Et puis voilà. Alors, en tout cas, voilà, c'était la première vidéo sur One Piece. Franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Dommage que j'ai pas eu des personnages plus puissants, mais bon, on peut pas tout avoir quoi. En tout cas, ça va. Je pense qu'avec ça, on va s'en sortir et on refera d'autres invocations. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.